français au sein des vols Royal Air Maroc. Et parmi ces produits qui démontrent un peu de cette nouvelle dynamique autour de la marque Royal Air Maroc, parmi ces produits, il y a les nouveaux uniformes, uniformes des équipages à bord des vols Royal Air Maroc. Ce sont des uniformes qui reflètent un peu de cette marocanité de notre compagnie aérienne et de cet ancrage aussi africain avec des couleurs, je dirais, assez vives, de manière à apporter toute la dynamique et tout le soutien et tout le suivi qu'il faut de nos clients. Donc c'est une grande nouveauté pour nous, c'est une fierté. Après plus de 20 ans avec les uniformes que vous connaissez actuels, donc ça c'est la première nouveauté. Nous avons aussi innové en termes de menus à bord, de repas à bord, qu'on soit en économie ou en business class, quelle que soit la durée du vol. Donc ce sont des menus qui s'adaptent beaucoup plus aux besoins. Nous avons aussi introduit des plats végétariens, vu la demande croissante au niveau des plats végétariens. Et enfin, au niveau des trousses de toilettes, nous avons aussi apporté des trousses. Tous les produits qui sont à bord sont des produits marocains, signés avec des partenaires marocains, que ce soit sur les thés, sur les trousses de toilettes, sur les produits d'hygiène à bord. Et c'est ce qui nous permet encore une fois de montrer ce positionnement marocain et africain de notre compagnie nationale. Le Covid a été compliqué. À l'après-Covid, le démarrage a été compliqué aussi, poussif. L'été s'est bien passé, mais la situation devra s'améliorer à l'avenir. Avec le niveau des charges que nous avons et le prix du carburant, il est difficile de se réjouir d'une situation qui reste quand même très tendue. Donc il faut continuer à travailler très dur et à générer encore plus de trafic et de flux, de manière à pouvoir très vite reprendre, je dirais, une croissance vertueuse au niveau de notre compagnie aérienne.